Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, je peux pas dire que tout se passe bien pour moi, parce que bon, c'est un peu un moment de solitude que vous avez vu. J'ai mis le petit... je sais plus comment ça s'appelle, la dame elle me l'avait dit tout à l'heure, comment ça s'appelle, le machin que j'ai mis autour du cou, parce que j'ai le cou un peu qui a craqué ce matin en fait. J'étais en train de marcher et cric, d'un seul coup j'ai senti des douleurs et tout, j'ai dit oh là là, je suis bloqué. Et du coup, bon, j'ai fini ma journée de travail, comme moi je suis un rageux, j'ai quand même fini ma journée de travail tranquillement. Voilà, et du coup, ben voilà, là j'ai allé à la pharmacie, j'ai mis la pommade, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et puis voilà, c'est pour ça que vous voyez comme ça, avec le... Bon, ça se voit pas, mais j'ai un truc autour du cou. Et puis voilà. Bon, d'ailleurs, on va commencer la vidéo, c'est une vidéo de dégustation. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça se passe, on va pas dire très très bien, on va dire un peu moins bien que d'habitude, puisque bon voilà, je peux que faire comme ça. J'ai du mal un peu à aller sur le côté, puisque ça me fait, je sens que ça me fait mal quand je regarde sur les côtés. Bon, c'est un peu dur de regarder sur les côtés, c'est difficile, donc je vais mettre la pommade et tout. Je pense qu'à la prochaine vidéo ça ira mieux, puisque ça va durer peut-être 2-3 jours cette histoire, je pense. Je crois évidemment que ça finisse vite. Et puis voilà. Bon, on va commencer la vidéo. Pour commencer, là, je me déshabille, parce que là, j'étais dehors à aller chercher ma dégustation. Bon, comme vous avez vu, j'ai pas mis dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un max de pouces à cette vidéo. Et puis voilà. Et puis éventuellement, je tiens vraiment à préciser que je suis très 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 content de la vidéo de tacos. Franchement, vous avez géré les amis, franchement, s'il n'y a rien à dire. J'ai eu au moins 40 likes, c'est ça, c'est un truc. Aïe, j'ai un peu trop bougé. 40 likes, en fait, je suis vers les 44 ou 43, je sais plus, enfin. Mais enfin, j'ai 40 likes, c'est déjà bien pour moi, je suis content. Moi, quand vous mettez un like, vous appuyez sur le like, je suis refait. Quand ça dépasse les 10 rapidement, je suis content. Et quand ça dépasse pas les 10 rapidement, bon, je suis pas trop, bon, je suis un peu dégoûté. Mais bon, ça veut dire pour moi que la vidéo est ratée. Et puis voilà, quoi, sinon... Franchement, là, je suis vraiment content. Je remercie toutes les personnes qui ont liké la vidéo de tacos. Là, vous avez vu, j'étais en train de faire le fou, tout ça. Là, aujourd'hui, j'ai pas mis de musique, puisque, enfin, si je mets de la musique, il faut mettre un petit morceau, parce que voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà, avec les droits d'auteur et tout, il y a une nouvelle loi qui est sortie. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a une nouvelle loi qui est sortie sur YouTube et tout ça, que bon, voilà. Ceux qui connaissent la loi savent. Enfin, je fais pas cette vidéo pour la loi ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je fais cette vidéo juste pour remercier toutes les personnes qui like mes vidéos. Franchement, je suis vraiment content. Et puis, on va commencer la vidéo. Je veux déguster quelque chose. Je vais me changer. Je vous laisse deux secondes. Là, je vais enlever ma veste parce que j'étais dehors. Là, et puis, voilà. C'est la dégustation. J'essaie souvent de faire très court, mais bon, c'est difficile. Bon, alors, et aussi, je tenais aussi à faire une dédicace à mon ami Jérôme. Voilà, c'est ça, Jérôme Mas. Jérôme Mas, quant à toi, je pense faire une prochaine vidéo avec toi. Je sais pas quand ça sera disponible et quand tu seras chaud pour faire une vidéo, donc je pense faire une vidéo avec toi. Comme il y aura une nouvelle vidéo avec Sylvain, un de mes potes que vous avez vu. Bon, on va souvent dans les stades pour... bon, lui, c'est tout ce qu'il peut faire, aller dans les stades. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire comme vidéo. Bon, je pense que vous devez savoir qui on va voir comme match. Bon, j'ai même pas besoin de vous le dire. Je vous laisse deviner ou bien attendre la prochaine vidéo. Il y aura juste des petits extraits du match. Et bon, après, si on perd, on perd. Si on gagne, on gagne. Je veux rien vous dire. Vous savez de quelle équipe je parle, je pense. Ceux qui regardent
mes vidéos. Et puis voilà, et je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et un youtubeur exceptionnel que j'ai vu, franchement, j'ai vu un nouveau youtubeur que j'ai aperçu qui était en train de faire quelque chose que, bon, je vous en ai pas parlé, mais aujourd'hui je vous en ai parlé. Il était en train de faire genre de la trottinette avec, en fait, faire des sauts avec la trottinette, faire des figures avec la trottinette. Une chose que, bon, je ne vais pas faire, mais je ne vous cache pas de vous dire que, à un certain temps, j'ai acheté une trottinette et puis je vais sûrement faire, je vais commencer mes premières vidéos. Excusez-moi, je suis un peu excité quand je parle, comme d'habitude, hein. J'ai toujours excité, moi, quand je parle, des fois, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi, enfin, par quoi parler et tout. Et puis, je voulais dire que, en fait, je vais faire prochainement des vidéos avec ma trottinette que j'ai acheté pour remplacer l'overboard. Peut-être que vous allez voir des vidéos là où je vais gameler et tout ça. Enfin, les premières vidéos seront assez cool tranquillement. Et puis voilà. Bon, alors je veux déguster aujourd'hui, bon, quelque chose que ceux qui regardent la vidéo, voilà, ceux qui sont là à avancer la vidéo, vous aimez trop ça. Je les vois, les gens, ils avancent les vidéos pour voir direct de quoi il s'agit. Bon, ben voilà, maintenant on arrive au but. Nous allons déguster parce que moi je commence à avoir faim là, j'ai pas mangé depuis quand même. Puis voilà, aujourd'hui je vais manger, maintenant je peux vous le dire, une pizza. Une pizza, c'est Monsieur Mich... excusez-moi. Jérôme Mas qui m'a dit de faire cette vidéo. La vidéo lui concerne puisque bientôt vous allez voir Monsieur Jérôme Mas dans une des prochaines vidéos de dégustation. On fera sûrement des concours de dégustation. Donc voilà, c'est pour ça que je vous préviens quand même. Voilà, la pizza, c'est une pizza boisée avec des légumes et tout, de bonne qualité, regardez. Je pense que vous voyez bien la pizza de bonne qualité, c'est vraiment une pizza. Je vais faire la miniature. Voilà, la miniature est faite. Bon, maintenant, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? On va déguster la pizza. Maintenant, bon, il faut quand même déguster, parce que moi, je parle, et puis le temps passe, et puis les minutes passent, après la vidéo va durer plus. Donc, voilà, je veux déguster cette pizza. On va pas y passer de temps, en plus que j'ai très très faim. Putain, ça dégouline de partout. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien, si le flou va partir... Bon, j'ai très très faim, hein. Bon, je vous dis bon appétit. Aujourd'hui je mange avec vous, mes amis youtubeurs, que vous êtes, bon, moi, on mange ensemble, quoi. Servez-vous, hein, les amis, servez-vous. Il y en a pour tout le monde. Très bon. Ça faisait longtemps que j'avais plus pris de pizza boisée, mais elles sont trop bonnes. Trop bonnes. Bon, j'invite à ceux qui veulent faire des vidéos de dégustation avec moi, n'hésitez pas à me les dire sur commentaire ou aller sur mon Snapchat et puis demander une vidéo de dégustation. Parce que j'ai des idées, mais des fois je mange seul, mais puisque, bon, voilà, comme ça. Mais j'ai des idées de manger avec des gens, mais des fois ils sont pas disponibles, etc. Quoi. Bon, je pense que des fois dans la vidéo, quand je regarde ma vidéo et je vois que, bon, quand même, je suis un peu trop sale, mais là, je me surveille en même temps que je regarde, je mange, enfin. Sinon, vous allez me dire, je suis un cochon, donc voilà, je mange tranquille, quoi. En m'essuyant rapidement. Très bon. Franchement, c'est très bon, la pizza boisée, c'est très très bon. C'est très très bon. Franchement, très très bon. C'est une de mes meilleures pizzas de bonne qualité. Je prends souvent cette pizza, franchement, elle est très très bonne. En fait, ils ont mis la crème fraîche avec des légumes, des olives. Et je pense que c'est une petite viande de cordon, en arme. Non, en plus j'ai dit des conneries. C'est une viande escalope, je pense. C'est très bon, franchement, très très bon. Je vais pas rester toute la vidéo à manger comme ça. Mais
voulais juste dire une chose, quoi. Si il y a un max de vues dans cette vidéo, je referai une vidéo, mais cette fois-ci, la même vidéo avec une personne que j'ai choisie, ça serait Jérôme Masse pour la première vidéo. On va manger une pizza ensemble et on va faire un challenge. Je vous dis pas, c'est ce qu'on va faire. Et puis, dans cette vidéo, je pense que vous allez aimer cette vidéo. Moi, je parle trop, mais je mange parce que voilà, quoi. J'ai trop faim. Comment c'est bon, on voit bien la crème fraîche et tout qui tombe et tout. Bon, je peux pas trop vous montrer parce que sinon ça va couler de partout. C'est trop bon. Non, c'est trop bon. Là, je vous arrête, c'est trop bon. Je dois manger ça tranquillement. C'est trop. Je m'en mets partout. C'est une pizza de bonne qualité, très très bonne qualité. Bon, ben je vous laisse pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et me dire si vous voulez la prochaine vidéo. Si vous êtes pressé pour la prochaine vidéo, que je veux manger la pizza avec ou Jérôme Masse ou un autre pote. Et bon, il y aura un challenge à faire de pizza, mais je vous dis pas, je peux rien vous dire parce que sinon. Ça gâche la vidéo, donc je préfère pas vous dire le challenge que je veux pas, mais c'est un truc que je vais faire, bon, qui sera assez simple, mais déjà ça sera avec une personne que je vois. J'ai désigné deux personnes qui vont manger la pizza avec moi et je vais faire le challenge. Bon, après je vous dis pas que c'est la prochaine vidéo qui va arriver parce que ça sera dans quelques vidéos d'après. Bon, ben comme vous avez vu, les vidéos de dégustation ont repris. Donc la prochaine vidéo de dégustation va pas tarder à venir dans pas très longtemps. Je vous laisse pour la prochaine vidéo, je vous laisse passer une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo. Quant à moi, je ne veux pas vous manger la pizza tout le long de la vidéo. Vous êtes bien sûr que je veux vous laisser tranquillement parce que ça va faire trop de minutes. Et puis après, voilà, je prépare, il va falloir que je réduise, etc., les minutes et tout ça. Bon, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Likez beaucoup la vidéo. Si vous voulez assez rapidement la prochaine vidéo de pizza avec une personne, ça sera un challenge que je vais faire. Mais je ne peux pas le faire tout seul, je suis obligé de le faire avec une personne. Ça passe plus mieux. Et puis voilà, bon, ben, je voulais prendre dédicace à tout le Var, tout Toulon, Maudit, etc., tous ceux qui me connaissent. Et puis voilà, je ne veux pas faire du blablabla trop dans cette vidéo. Je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine vidéo assez rapidement. Ça sera une vidéo, bon, je vous ai un peu dit ce que ça serait comme vidéo, mais bon, une vidéo assez tranquille.